Alors du coup, veuillez m'excuser donc pour cette qualification un peu coupée. Normalement, il devait y avoir une séance d'essai libre de 10 minutes. Elle n'a pas eu lieu, donc du coup, on est passé directement aux qualifications. Bon, bah écoutez, c'est ma foi une chose qui, je l'espère, ne se reproduira pas, parce que bon, du coup, moi, je pensais être dans l'optique habituelle, et finalement, du coup, c'est pas le cas. Bon, donc en attendant, on est donc sur cette dernière manche du championnat. Mega RS01 Trophy. Et Mangator 27-7. Et pour l'instant, le poleman à l'heure actuelle, c'est Mangator avec une 27-793. Le deuxième temps a été réalisé par Wallstar pour l'instant avec une 29-102. Puis ensuite, on a Rafa qui est troisième avec une 29-753. C'est de voir comment couper correctement. Dedex quatrième position pour une 30-905. Ikrit c'est 5ème ensuite avec une 31-757. Lulu 6ème, une 33-167. Alors il est à la fin de son tour, donc on va le suivre, on va voir s'il peut potentiellement améliorer ce dernier. Non, pas d'amélioration. Tout honneur, lui il a déjà fait un chrono, une 43-572. Et puis c'est à peu près tout pour ce qui est des chronos. J'ai vu une voiture arrêtée. Oh la Dedex qui était parti en travers. Et donc du coup on n'a plus que 7 pilotes. Oh la Mangator, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh la Mangator qui se... Ouf. Qui se loupe, c'est pas habituel. Ça c'est assez étonnant. Oh, ouais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent visiblement. Hein, c'est tout à fait possible. On va voir Raphaël qui est à la fin de son tour. Voilà, cette fois-ci, on va pouvoir mettre le décompte comme il faut. Et amélioration, Rafa, 29-096, deuxième chrono pour lui. Mais il reste quand même à 1 seconde 3 du chrono de Mangator. Là aussi, Mangator va être compliqué à chercher. À toi, merci. Bon, après, Mangator, il est champion. Il est champion, hein. Ça c'est clair et net. Donc il n'y a plus d'enjeu. Le seul enjeu, on va dire, c'est pour la deuxième position. Oui. Par contre, comment est-ce que je vais dire ainsi? C'est Fab. Est-ce qu'il participe ou pas finalement, Fab? Je l'ai pas vu rejoindre dans la session, donc à mon avis, ça va se faire sans Fab. Du coup, malheureusement. Donc du coup, sa deuxième place est aussi mise en péril. Puisque si je regarde le classement, à l'issue de la course précédente, pour l'instant, c'est Rafa qui est deuxième, 116 points. Fab est troisième avec 106 points. Et Edwood... Non, il est quatrième même avec 106 points. 107 points pour Edwood, troisième. Edwood et Fab ne marqueront pas de points, donc pour l'instant Rafa est potentiellement vice-champion. Ça ne devrait plus bouger. Pas d'amélioration sur ce tour-ci pour Mangator. On va suivre Rafa qui est à la fin de son nouveau tour. Et voici Rafa justement. Donc cette superbe RS01 qui s'est imposée effectivement aux 12h du Mugello dans les International Enduro 24h Series, je crois. Si je ne me trompe pas dans le nom du championnat. Ah, pas d'amélioration pour Rafa malheureusement. Du coup, il est deuxième. Wallstar troisième, 1.29.102. On va suivre la fin de son tour, voir s'il peut aller chercher un meilleur chrono. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez bien évidemment continuer à réagir sur cette séance qualificative. Et sur la course proposée et sur le live même, et n'hésitez pas à ramener du monde aussi pour suivre ces courses, parce que là pour l'instant je dois avouer que les audiences sont un peu catastrophiques pour tout dire. Wallstar, pas d'amélioration, il a tourné en 1.41.2 au lieu de 1.29.1. Évidemment ça fait une sacrée différence hein, aussi. Hop là, oh là Lulu, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Oh là, attention, là il est dans une portion un peu délicate, il est juste avant 24h16, ok, merci LGRC. Lulu qui était un peu avant la chicane Jackie X là, qui était en difficulté. Alors du coup ça va nous faire Dedex qui va finir son tour ici, on le suit avec sa voiture couleur d'un célèbre équipementier pour joueur.
Une 29-657, quatrième temps pour Dedex qui améliore son chrono et sa position sur la piste du coup. Alors Rafa, lui, il améliore, il passe sous les 1.29 en faisant une 28-837. Mais il est tout de même encore à une seconde de Mangator, donc je pense que Mangator, ça sert à rien qu'il roule en fait. Mais il roule encore. Bon, écoutez, s'il a envie de se faire plaisir, hein, après tout, voilà, hein, c'est limite, on en est là. Hein. Mm-hmm. Attention ici, Chris qui laisse passer All Stark à l'extérieur, voilà, c'est bon. Pas que les pilotes se gênent, hein, bien évidemment, en cette course. Non, on n'a qu'à pas de GT à ce soir, malheureusement. Je vais faire une pause, je vais ranger 2-3 trucs. Parce que pour ceux qui n'ont pas oublié, demain je pars à Poitiers, à la Gamer Assembly. J'ai plus de 3h30 de route à faire. Alors, on voit pas d'amélioration. Pour un petit station CLM. Notre ami Wall qui, comme vous l'avez entendu, sera du côté de la Gamer Assembly à Poitiers pour ceux qui sont du côté de cette région-là de France. Ils auront l'occasion d'aller le voir, bien évidemment, là-bas. Bon, il y a une autre personne, mais qu'on ne citera pas à l'antenne, qui est juste un gros enfoiré qui ira aussi, mais bon, après, on s'en fout, lui, voilà. Hein, il m'a banni de sa chaîne, alors du coup, j'ai le droit, voilà. Du coup, j'ai pas peur de le dire. Alors Dedex, pas d'amélioration pour lui. Il n'a même pas signé de chrono valide sur le tour précédent. Tout honneur, lui il a fait le 5ème chrono, 1.30.811. Lulu est 6ème chrono, 1.30.827. Ikrit 7ème chrono, 1.31.757. Arthur Leclerc, 1.32.184. Il a re-rejoint la partie après avoir subi une déconnexion. Alors, est-ce qu'il y a des pilotes en voie d'amélioration? Putain, oui. C'est pas hop là, vrai, All Star, tac ta queue. Même avec un contrôle de traction, comment ça me casse les couilles. On arrive visiblement au bon moment. Allez, on revoit là. Sans doute une réaccélération trop forte. Je pense. Parce que là... Ça... Je... Parce que pourtant, elle a le contrôle de traction, hein, cette voiture. Donc normalement, ça devrait censé être un petit peu faciliter la chose. Visiblement, ben ça n'a pas l'air de trop d'être le cas, hein. Donc du coup, c'est un peu compliqué de dire comme ça. En tout cas, du coup, sa tentative, son tour a été avorté un tout petit peu. Allez, Rafa, il est à la fin, il va pouvoir améliorer lui. Je partage l'écran qui bug de nouveau. Attends. En place. Voilà. Alors, Rafa. Ah, il n'a pas amélioré, Rafa. Il a fait une 29.9 au lieu de une 28.2. Pas d'amélioration pour lui. Dedex, il est dans le garage. Toutouneur, pas en tour rapide pour l'instant. Lulu, il n'y est pas. Enfin, je sais pas vraiment en fait, parce que. Bah oui, c'est étonnant que tu aies eu ce message là, Serplace. Visiblement, YouTube qui n'aime pas quand on spamme trop de messages. Ou alors, faut faire des messages groupés du coup. Mais les autres parlaient aussi sur le chat là, les amis. Là, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas assez de vie là sur le chat, il n'y a pas assez de monde sur le live, nom de Dieu. Ramenez du monde là, c'est quoi ce bordel là? Oh. Parce qu'il y a l'autre enfoiré qui commande des championnats de France de mes couilles là ou quoi là. Bon, voilà, je dis les choses, voilà. Désolé, c'est sorti tout seul. Ma langue de vipère a fait des siennes, visiblement. Et puis c'est mon anniversaire, allez, je pense avoir un peu plus de monde, quoi. Aussi. Ça veut dire que vous m'aimez pas. C'est quoi cette histoire? Eh si. Ah bah, j'espère. Bon. Pas d'amélioration de chrono, il a tourné 10 secondes plus lentement que son meilleur temps retour pour Mangator, là c'est quand même 10 secondes, oui bon voilà quoi, c'est pas terrible hein. Alors Rafa, pas d'amélioration non plus. Ah Guigui. Alors est-ce que Wall... La fameuse vidéo... D'ailleurs tu me fais penser, il faut que je mette ma caméra à charger. Alors... Arthur Leclerc, il est à la fin de son tour, là, il m'a semblé un peu coupé, là, sur l'entrée de la chicane
la dernière chicane là. Mais il a pas mieux. Non, il a fait une 42.5 au lieu de une 32.1. Donc du coup, ouais, pas d'amélioration pour lui, ça c'est sûr. Bien sûr, ce coup-là, on va pas pouvoir faire grand chose pour lui, malheureusement. Alors, Mikritz, le voici. 7ème position pour l'instant. Ah, amélioration, mais pour 4 millième, je crois. Pour Ikritz, il a fait 1.30 940. Bon, c'est un petit écart, certes, mais ça améliore quand même. Il faut pas négliger cela, les amis. C'est clair. Par contre, il y en a un qui améliore, c'est Mangator. 1.29. Non, 1.27, pardon, 699. Mais il avait pas besoin d'améliorer, voyons. Pourquoi il améliore? Pas loin, Rafa. J'étais sûr de passer devant toi. Oh, 1.28 312, oui, oui, c'était pas loin effectivement comme il dit. Et Rafa, mais il améliore, 1.28 195. Vas-y, attends, je vais m'en occuper. Mais c'est ça. Ah, Wallstar qui n'a pas, qui ne veut pas se laisser faire visiblement et qui a dit, ok, ben moi je vais aller chercher. Le bonus du motard, non, je pense que ça risquerait d'être. Alors je suis vraiment vraiment désolé, Lucas. Lucas, tu m'entends? Ah, là, Lulu qui est sorti de la piste apparemment. Alors, à cause de Wall. Ouais, je suis désolé, je me suis un peu déporté en sortie. Tu sais que tes yeux, tu peux les bouger, hein. C'est pas rectiligne, hein. Ah, désolé, petit tacle glissé là, vous l'entendez dans le chat. En fait, je suis sorti d'un stand et quand j'ai vu une lumière, t'étais sur mon angle mort. Pourtant, j'ai le reste. Non, non, c'est pas grave. Hop là, hop là, sorti pour le stand. C'est au fromage qu'ils sont alimentés. Alors qui est à la fin là, oui, Benjamin, tout... juste en dessous. Donc, 39.140, non, pas d'amélioration pour écrit sur le tour précédent. 34.191. Mangator, 1.27.699. Va-t-il améliorer? Non. Pas d'amélioration, il a fait une 38.05, il a été autrement dit catastrophique sur ce tour-ci. C'est une façon de parler, bien sûr. Rafa, une 28.195, non, pas d'amélioration pour lui. Alors, qui est à la fin d'un tour? Lulu, mais oui, mais il s'est loupé, hein. Vous l'avez vu, il a été emporté hors piste par Wallstar, donc du coup, forcément, le chrono ne sera pas. Ne sera pas terrible. Ah ouais, le froid ça rigole pas. Ah ouais, non, une 42.3, ouais, donc du coup c'est... Hop là, Antoine Leclerc qui est sorti. Antoine, Arthur Leclerc, pardon, pourquoi je dis Antoine moi? Qu'est-ce que je raconte? Parce que Antoine Leclerc c'est un pilote de GT3 en championnat de France GT. Voilà pourquoi je... J'ai confondu. C'est le même nom de famille mais c'est pas le même prénom. Eh oui, non. Et pourtant ils n'ont pas de lien de parenté visiblement, hein. Je sais pas, après... Je ne pense pas. Alors du coup, on va essayer d'un petit peu suivre parce que j'avoue que là... Alors Dedex, le voici en 5ème position. Non, pas d'amélioration. Par contre, je sais pas si le compteur du nombre de viewers sur YouTube est correct parce qu'il me dit que 4 spectateurs, c'est pas possible ça. S'il y en a aussi peu, là je vais piquer un scandale, hein, sans déconner. C'est étonnant. Alors, pas d'amélioration pour Rafa, à une minute de la fin. Wall, va-t-il améliorer alors ouais, qu'il Nicolas, reste... c'est qualifié. Minute. Non, pas d'amélioration non plus. Donc on est en 1.29.0 au lieu d'une 28.3. Alors. Alors ici, on va essayer de voir un petit peu qui on peut suivre potentiellement en tout qualif. Oh
Oh putain. Hop. Qu'est-ce qui s'est coupé comme un salaud. Il a coupé visiblement. Il faut revalider, ouais. Du coup, son tour ne sera pas pris en compte, ce qui est un peu légitime, hein, bien évidemment. Alors, Mangator, le voici. Et oh, bah voilà, une 27-519. Voilà, il améliore encore. Merci, au revoir. Un café, l'addition, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi, sans déconner. Et amélioration aussi pour Rafa, une 28-122, mais tout... il a plus que 6 dixièmes, hein. Il revient petit à petit, mais ça va être compliqué d'aller chercher quand même. Hein. Alors Wallstark, 3ème, non, pas d'amélioration pour lui, pas de chrono valide, bah oui, forcément il avait coupé au niveau de la chicane de l'autre côté du circuit. Après on est sur du setup par défaut, donc aucune stratégie. Alors lui, est-ce qu'il améliore? Non. Il a fait une 37-5, ah, il a dû se louper encore, hein, Lulu, ça lui arrive régulièrement là malheureusement. C'est un peu dommage. Mais bon voilà. Oui, Kritz. Toujours, il a amélioré entre temps son temps, il a fait une 30-091, c'est le meilleur temps pour l'instant qu'il ait enregistré. Va-t-il être en mesure d'aller au-delà de ce qu'il est possible à faire? Le voici. Non. Il a tourné en 1.30634. Donc du coup, pas d'amélioration pour lui. Putain. Oh, Arthur qui a coupé visiblement la chicane JV9 et qui du coup n'aura pas son tour validé, malheureusement. Si j'ai des dégâts. Voilà, attention. C'était juste ici au niveau de la chicane. Mais ça va, ça passe quand même. Rafa. Ouais non, il améliore toujours pas. Hein. Une 31-1, ouais, donc là il manque un tout petit peu. Mais je sais que je peux l'améliorer, mais je fais de la merde. Lui, une 30-201 pour l'instant. Je passe bien sur un. C'est Mangator qui il est dans les garages, donc là il a plus facile pour écrire. Il s'est dit là je suis gentil avec les chicanes, si c'était le SF ça serait pas la sur même. Un tour, ouais, bah, écoutez. Le suivant, je passe pas bien ici, mais mieux dans l'autre. Je pense que le message a mérite d'être clair. Et Lulu qui améliore enfin. Une 29-906, ça le classe en 6ème position pour l'instant. Mon volant n'a pas de retour de force à droite, par contre à gauche, il y a toujours. Alors, tout honneur, lui aussi dans la fin d'un tour, qualif. Chrono va-t-il réaliser? Va-t-il améliorer? Non. Ah bah il a pas de chrono valide tout simplement, donc du coup il a dû peut-être se louper quelque part. Alors Rafa est dans les garages, Mangator va commencer un tour rapide dans un instant. Alors Wall lui va commencer également un tour qualif. Pareil pour Arthur Leclerc. Dedex lui il a commencé un tour je crois. Lulu, il sort des garages, ça me semble compliqué pour aller essayer de réaliser un tour. Kritz, lui, est au garage, donc je pense que sa qualification est terminée. Ou alors, ça va vraiment être très très juste. Tout honneur, 8ème. Alors, on va voir qui... Ah, premier secteur enregistré pour Dedex, du coup. Vient de louper, là, je crois. J'ai l'impression qu'il a un peu coupé, là, donc du coup, ça va peut-être pas passer pour lui. Ah ouais, ça c'est un peu le risque. Guillaume qui dit, même derrière on a trouvé un duo. Bah écoute. Mais non Mangator, t'es sérieux? Oh là, Mangator qui s'est loupé à la chicane JV9 et qui aurait gêné apparemment Wall. Ah. Alors Wallstark est le seul à avoir enregistré un deuxième secteur puisque Dedex a coupé visiblement, donc le deuxième secteur n'a pas été pris en compte. Si on travaille secteur par secteur et si on applique bien les règles de pénalité, en tout cas. Ici. Voici Wall. La chicken Jackix. Il franchit. De bonne manière. Alors je crois que du coup de son loupé avec Mangator, il n'améliorera pas. Non, il a fait 28-6. Arthur Leclerc, le voici. Oh, le prochain. Un noir, là, sur Skype.
le prochain à pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Voici. Est-ce qu'il va enregistrer un chrono ou pas? Oui, 1:28.864. Donc il améliore de 2 centièmes pour l'instant. Alors, Mangator a commencé un tour. Ce sera son dernier tour. Rafa a encore le temps d'enregistrer un tour. Qui commence maintenant. Wall est dans son dernier tour. Pareil pour Arthur Leclerc. Dedex n'améliorera pas, il réalisera comme meilleur chrono 1:29.657. Lulu peut encore améliorer. Ikritz n'améliorera pas, il a fait 1:30.091. Et Toutouneur restera 8ème, 1:30.172. Donc on connaît les pilotes qui seront 7ème et 8ème. Maintenant, est-ce que le 6ème va être Lulu ou bien est-ce qu'il laissera sa place à Dedex? Ça, la réponse, c'est pour dans quelques instants. Ici, on va suivre Wallstart, la fin de son tour qualif. Son dernier tour qualif d'ailleurs. Ici même, à Zolder. Mieux, voici. Hop là! Oh, ça a bien escaladé limite le vibreur intérieur là. Donc je pense que. Je sais pas si ça va être comptabilisé. Et si! 1:27.733! 2 dixièmes d'écart par rapport à Mangator. Oh là 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 là! Dommage qu'il n'y ait pas de tour supplémentaire. Dommage qu'il n'y ait pas de tour supplémentaire. Ça aurait été pas mal, je pense. Et pas d'amélioration pour Lulu qui restera 6ème avec son 1:29.906. Donc Dedex restera 5ème, 1:29.657. 1:27.7, 1:27.5. Alors Arthur Leclerc, ah, il a relâché son effort. Il sera 4ème, 1:28.864. Rafa, 1:28.122, 3ème. 2ème position, 1:27.733 pour Wallstark. Et donc Mangator sera en pole position. Plus personne n'est en mesure d'améliorer son chrono. Donc les qualifications sont officiellement terminées. Bon bah c'était chaud ces qualifs là, dites-moi 2 dixièmes d'écart par rapport au chrono de Mangator. Wow, c'était tendu là. Ouais mais je comprends maintenant comment il s'agit de faire de bons chronos. Hein. En fait les deux chicanes il faut juste savoir comment les couper correctement. Mm-hmm. Des zones où tu passes dessus, la voiture ne sautille pas mais t'as coupé comme un salaud. Je suis honnête hein, je suis transparent, ouais, bien sûr. Hein, il faut juste couper. Hein. Faut couper, après faire attention de pas trop manger, sinon il y a la pénalité sur ton course. Mais le chrono là, et dis-toi qu'à un moment j'ai fait de la merde. Hein. Donc sans la petite couille que j'ai pris à un moment un peu trop large, je peux dire que je peux avoir l'équivalent du chrono de Mangador, bon les 2 dixièmes, mais 2 dixièmes alors que j'ai fait de la merde et avoir coupé à 2 reprises. Malheureusement, il faut s'appuyer sur ça. Ouais, bah oui. Je suis en train de le suivre en tout cas. Moi aussi. Oui, bah oui, Rafa, toi, tu fais le troisième chrono. T'étais longtemps deuxième, mais finalement, ben, à la fin. Il n'y a pas de, y a pas de nombre de tours. Non, c'est durée d'une demi-heure. Alors, Rafa, raconte-nous. Bah, bien. Je pense. Je misais tout sur le dernier tour, aux dernières minutes, là, pour juste avoir des pneus frais, puis pouvoir attaquer. Je pensais pouvoir améliorer au moins 1 ou 2 dixièmes. Bah après, plus, c'est compliqué. Ah ouais, forcément, là, puis, on était déjà... Puis, Wallstark, il a un bon rythme aussi. Donc, ça va être dur. Ah. Bah oui, on verra bien comment va se passer cette toute dernière course donc, de PSF Racing by Renault, puisqu'on rappelle que cette manche de RS01 à Zolder est la clôture, hein, si on veut, de ce championnat. Alors, en quatrième chrono, qui était-ce Oups, là, attention, là, il a failli y avoir un gros accident en piste. Oui, Arthur, c'était toi? Ouais, quatrième. Moi, je suis quatrième. Oui, alors, tes impressions après cette qualif, rapidement? J'étais garé. Ah. J'étais arrêté. Donc. Ah, d'accord. Je sentais pas la voiture et en plus, mon volant a un problème. Dès que je tourne à droite, il n'y a pas de retour de force. Et dès que je tourne à gauche, merci, Giroci. Tout le retour de force. Je me rends compte que j'ai GT, on va essayer. Hein.
Ok, bah, merci pour ce commentaire, mon cher Arthur. Et je remarque en plus que le G-Racing, il fait des allers-retours comme pas possible. Parce que là, migrer Twitch YouTube comme ça, le gars, il jongle bien, j'ai l'impression. Hein. Il devrait faire du cirque, à mon avis. en toute modestie et gentillesse, bien évidemment. Alors, on va aller voir qui d'autre. Lulu, tiens, ton avis un peu sur ta qualif, mon cher Lulu. Une fois que t'auras activé ton micro, qu'on t'entendra. Franchement, voilà. Bof. Ah. Bof. Il y a un moment où j'appuierais 3-4 dixièmes, il y a un certain monsieur qui a appris que tu n'avais pas besoin de punir pour tourner ses yeux à gauche. Il a dit quoi? Non, t'inquiète. Son pseudo commence par un W, je pense, non? C'est ça? Ouais, ça finit par Alstark. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Non, et puis, enfin après. À la faute sur lui ou pas, mais c'est juste que la voiture je qui a dit Galvez 6. Je vais essayer de faire des erreurs de... pour passer à l'arrivée. Bah on verra bien, puisque bah là on va dans une trentaine de secondes, à moins qu'on ait brièvement, rapidement l'avis d'Ikrit, très rapidement. Bah déjà je sens mieux la voiture que la V6. J'ai fait des meilleurs temps et je fais plus de chemin d'erreur. Je vais essayer pourquoi pas d'aller titiller Lulu. Ok. Parce que je vois qu'on va pas trop loin au niveau des chronos, donc puis après si je peux quand même. Ah bah essayer de comprendre. Et c'est parti, juste au moment où tu reviens mon cher Alexis, ça tombe plutôt bien. Hop 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 là, il y a un pilote qui est sorti, c'est Dedex là qui a été un petit peu touché, visiblement. On voyait un peu hors piste, attention là, Lulu et tout honneur là, ça s'est touché un peu. Ça joue des coudes. Ça joue des coudes, on va un petit peu essayer de suivre ici dans le peloton. Là on a Rafa qui a perdu une place, il s'est fait doubler par Arthur Leclerc. Il se retrouve derrière Wallstar, c'est toujours c'est Mangator, il s'est très bien élancé. Hop là, ah bah limite ça coupe bien là. Hein. Par contre, Rafa lui c'est pas passé. Parti en tête à queue. Oh là Lulu, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là 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 là, il y a eu du grabuge là. Avec tout honneur Lulu. Alors tout honneur Lulu, ouais, c'est les deux impliqués. Il y a Rafa qui était parti en travers après avoir coupé. Oh là 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 là, oh là, il s'est passé des choses là, on n'a pas pu tout voir malheureusement. Et du coup, Wall se retrouve deuxième. Pas loin de Mangator. Possible bagarre en vue. Arthur Leclerc, deuxième, troisième. Ikritz, quatrième. Il est pas mal hein, là, notre ami Ikritz là pour l'instant. Il est bien placé, il peut faire une bonne chose dans cette course potentiellement. Donc on entre déjà dans le deuxième tour. Et Dedex qui du coup a remonté hein, après ses problèmes pour Lulu et Toutouneur. Lulu qui est devant Toutouneur justement. Mais voici les deux hommes l'un derrière l'autre. Enfin 6ème, Dedex 5ème, 4ème Ikrit, 3ème Antoine Leclerc. Et Mangator en tête donc devant Wall. C'est le classement actuel. Et déjà un chrono de 1 seconde 5 d'écart entre les deux à l'issue du premier tour. Bon ben voilà, hein, c'est ce que je voulais que je vous dise là, c'est... Y'a pas d'autres mots, hein. Y'a pas de mots du tout. Ah, c'est bon. Eh, mais j'ai l'impression qu'il se rapproche quand même un petit peu. On regarde un peu le passage de la suite du peloton, ça va, ça passe bien pour l'ensemble des pilotes. Attention ici, tout honneur, Lulu. Tout honneur à l'intérieur. Sale pute. Hop là. Oh pop hop là, qu'est-ce qui s'est passé la Wall? Aïe 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 aïe. Problème à la sortie de la chicane. Oh là là, ouais, tête à queue. Aïe 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 aïe, quel dommage. Ah là 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 là, c'est pas possible. La malchance qu'il poursuit, c'est pas possible. Ouais, je parle de Mangator, celui que j'ai rattrapé, putain. Vous avez entendu le cri de rage quand il a perdu la vue sur Mangator qui voulait vraiment aller chercher là. C'était l'objectif un peu visiblement dans cette dernière manche. Et du coup, Mangator leader, deuxième Arthur Leclerc, troisième Ikritz, quatrième Dedex, cinquième c'est Wallstar qui vient de passer, enfin qui est juste devant Rafa, Lulu septième, Toutouneur huitième. On va rester sur ce peloton là entre la
3ème, 4ème, 5ème et 6ème position, parce que c'est un peu là que tout se concentre, on va dire, au niveau de l'action pour l'instant, de cette course. Cette dernière manche de PSF Racing by Renault. C'est chaud, hein, en tout cas, là. On dirait. Une trajectoire légèrement changeante, on dirait, pour les autres, pour certains pilotes. Hop, 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 aïe, aïe, aïe. Ah là là, Wallstar qui souffre encore là, malheureusement. Du coup, Rafa qui repasse à la cinquième place. C'est attention bien, hein. Ici, Dedex et Ikritz là. On revoit ici le tête à queue, la fin du tête à queue pour Wall. Peut-être trop optimiste sur la tentative de chicane là. Peut-être. Hop là, par contre là c'est très dangereux parce que Dedex là il passe à l'intérieur là, ça c'est pas mal, troisième position, mais attention qu'il n'a pas de phare à l'arrière, sa voiture endommagée, il n'a pas de phare arrière, ça peut être très handicapant. Oh là là, attention derrière là, ça revient aussi avec Ikrit, c'est Rafa. Rafa qui lui n'a pas de phare avant. Ouais, j'allais dire. Rafa n'a pas de phare avant. Désavantagé. Et franchement là c'est couillu que de tenter de rester comme ça dans ces conditions de visibilité. Bon, regardez, il ne voit rien du tout, il ne voit rien du tout, hein. Mais il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire, sinon s'il y en avait un, bien évidemment qu'il ne serait pas assez pour cela, mais bon voilà quoi, c'est là il n'y a pas. Donc, du coup il faut rester dans le peloton coûte que coûte. Et là, au niveau la visibilité, ça va quand même être un sacré handicap. Attention quand même. On va peut-être pas l'empêcher de dépasser ici, Kritz à l'intérieur. Juste avant la chicane. Putain, ta mère, putain. Hop là, Antoine Leclerc qui s'est loupé à la sortie. Attention. Ah, ce retour de force de merde. Le retour en piste qui était très chaud. Rafa 3ème. Désormais. Et Arthur Leclerc qui se fait rattraper du coup par Wall Stark, les deux qui se sont loupés au même virage autant que ça. Alors ici. Bagarre pour le podium, Dedex, Rafa, Ikritz qui suit. Putain, je vais faire 5,666 s'il te plaît. Et Wall Stark juste derrière. Lui 7ème. Toute une heure un peu plus loin à la 8ème place. Donc visiblement toute une heure qui est un petit peu connu des soucis, possiblement. Rafa et Dedex qui se suivent, hein. Regardez les deux hommes, on va se glisser en caméra on-board ici. Vous aurez ainsi une idée également du point de vue, enfin de la visibilité surtout de notre ami Rafa. Et voilà, je crois que là c'est criant de vérité là, hein, quand même. C'est comme si vous rouliez en monoplace en nocturne quoi, c'est pratiquement pareil. Bon, ça va ici dans cette partie-ci, il a plus ou moins des zones d'éclairage, donc ça à ce niveau-là c'est pas trop un souci. Et surtout que l'autre gêne aussi, c'est la voiture de devant, c'est Dedex, c'est qu'il n'a pas les phares arrière. Hein. On rappelle. Donc là, franchement, c'est. Tu me vois donner des coups de volant, mais le virage, ouais, c'est parce que mon retour de force il est là. Franchement, on s'est replay, ça devient un signe s'il vous plaît. Tranquille les gars, tranquille. Qui coule. Putain, ça fait chier. Voilà, il y a Chris là qui est un peu perdu par rapport à ses collègues et du coup qui se fait attraper. Hop. Oh, oh, Dedex qui s'est loupé. Aïe aïe aïe. Dedex qui s'est loupé dans l'avant-dernier virage. Et on a. C'est Rafa ? Bah oui, ouais, du coup Rafa est deuxième. Il est tout seul dans le noir. Ah ouais, là il a plus de voiture pour le guider, l'éclairer, enfin dire pour la route, là ça va être compliqué, ouais. Ouais, effectivement. À moins qu'il ne connaisse super bien le tracé ou qu'il ait des indicateurs au sol, même si normalement c'est pas forcément autorisé. Putain, mais décroche là ! Ah vas-y, tu sais quoi, ma con, ça me saoulait cette voiture. Oh là, oh là, en travers. Putain. Aïe 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 aïe. Pas une erreur, toute la qualif là, je les enchaîne cette merde. Oh là, ah oui, on revoit là, c'est... La chassée du dernier.
En fait, le problème, c'est quand tu l'arrière, il décoche. Oh, plein des crits, c'est Arthur Leclerc. Arthur Leclerc, là aussi, ça s'est touché. Il a fini dans le mur. Putain, mais c'est le force. Il a fini sur le vivant, désolé, Lulu. Oh là là là, il se passe des choses là, il se passe des choses. C'est là, t'inquiète. Mais c'est pas quoi. Ma direction elle est morte. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là dans cette course? Qu'est-ce qui se passe dans cette course là sans déconner? On a Mangator en tête, on a Rafa 2, on a Dedex 3, 4ème Ikrit, 5ème Arthur Leclerc qui a des problèmes de retour de force, Toutouneur 6ème, maintenant Lulu est seulement 7ème, 8ème c'est Wallstar qui a connu un souci et qui a un problème de direction. Bon mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites là comme scénario là? Qu'est-ce que c'est? Hein? Sans déconner. Oh là là. Hop là, Lulu qui se loupe un peu à la chicane Gilles Villeneuve. Non, même pas. Mais attention, parce que là, du coup, on a des Dex et Chris qui sont en bagarre. On va commencer le 7ème tour et qu'on est même pas à 10 minutes de course. Hein. Je vous laisse imaginer quand même, hein, chers amis viewers. Franchement, c'est. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est clairement ça. Hein. Là, la course, elle part vraiment en cacahuète. Vous, le volant, il est tordu en ligne droite. Ouais. Oh, attention, Lulu. Wallstar, acte 2. Entre les deux hommes. Ça, ils vont pas se gêner, visiblement. Just hein, quand même. Hop là, ça sort un peu là pour Lulu malheureusement. Au virage du canal. Ici. Enfin juste avant ce virage du canal. Ah mais Yonagi, t'inquiète même pas. Tu peux couper ici. Comme un salaud, il te met pas de pénalité, mais. Alors. Une bordure de pénalité à la con là. Mangator, 8ème tour. 10 minutes de course déjà faites. Rafa, toujours deuxième et sans phare avant. Faut-il le rappeler? C'est limite un exploit là ce qu'il est en train de réaliser. Dedex, troisième position. Ikrit qui le suit. Les deux hommes à proximité. C'est la bagarre, on va dire, la plus probable qui puisse arriver. Dedex, pénalité. Et oui, pénalité pour Dedex qui du coup a perdu sa 4ème position. Et Mangator, toujours leader. Je vais arrêter, je crois. Je vais abandonner. Deuxième Rafa. Troisième Ikrit. Quatrième Dedex. Arthur Leclerc. Moi aussi, moi. Cinquième, oh là là, ouais, il a vraiment beaucoup de soucis visiblement avec sa voiture. Et son volant, je pense. Toutouneur, sixième. Wallstar, septième. Lulu, huitième. Toastmaster, mais faut jamais acheter. Bon, pour l'instant, du coup, ça nous. Redivise un peu le peloton, mais attention, Dedex il est déjà revenu derrière Ikrit. Donc, ouais, finalement, on pourrait avoir encore une bagarre un petit peu rapidement là, ici entre les deux. On se rapproche de la fin du premier quart d'heure de course. Ouais, et donc de la mi-course, donc de cette dernière manche, puisqu'on rappelle que cette course c'est la dernière manche du championnat PSF Racing by Renault. Trop tôt. Visiblement deux manières de passer qui sont différentes entre Ikrit et Dedex là. Je sais pas laquelle tu considères la plus
La meilleure? Franchement, c'est. Avec la RS01, j'ai pas vraiment touché à la conduite, un peu comme la Trophy V6. Et l'intérieur de Dedex ici! Ouais, ça passe ici. Wow, c'était juste hein, quand même, Chris qui a failli tailler un short. Il s'est passé. Ouais. Donc je disais. Comme avec la Trophy V6, j'ai pas vraiment touché la conduite. Mais comment dire, chacun a sa façon de faire. De piloter, de prendre les virages. Effectivement. Mais en tout cas, voilà quoi, c'est. Ah ouais, effectivement, le Diracine, t'es partout toi. Ah, la team Tawek est là, effectivement, et justement, on a plein cadre sur tout honneur. Salut à la team Tawek. Bienvenue. Salut. Sur Benvix TV et sur la chaîne YouTube Gaming, même de Benvix TV. Avec ce live en HD 720p, 60 images par seconde, c'est la nouveauté technologique pour Benvix TV. Alors pour l'instant, ça vous plaît. Bon, visiblement, malheureusement, pour l'audience, on repassera un peu. Hein, on aimerait avoir plus de monde, mais il va falloir communiquer peut-être un petit peu plus. Oh là, Mordekator, qu'est-ce qu'il fait, là? Oh là, il a ralenti un peu fort, là, j'ai l'impression, là. C'est assez surprenant, là, ce qui. Je pense qu'il avait trop anticipé le virage. Peut-être, je sais pas. Mais du coup, Rafa qui se rapproche. Mais Rafa est pas loin, hein. Et sans phare. Oh, mais le volant, je peux jeter à la poubelle, quoi. Ce qui ferait l'exploit de finir la course premier sans phare. Possible. Arthur Leclerc qui a de plus en plus de mal avec son volant. Une demi-heure de qualif. Oh, tout honneur qui est repassé 6 devant Wall. Il a dû se passer quelque chose. Là, on a loupé vraisemblablement, malheureusement. C'est pas être partout en même temps. Là, c'est compliqué, les amis. Est-ce qu'on peut voir la track map? La track map, Benji? Bien sûr! Ah ben, elle est buggée, donc on ne la montrera pas. Ah, ouais. Magnifique. Tous les points sont fixes, donc du coup, on va pas la montrer, ça sert à rien. Dommage. Project bug. Voilà, par contre, il a bien coupé la chicane Gilles Villeneuve, là, et il n'a pas eu de pénalité, Rafa, là, je suis un peu surpris. Benvix TV, avant c'était comme Motors TV, maintenant c'est comme Eurosport. Bon, je dirais plus comme Canal Plus, les gars, voyons. Allons. HD 60 images secondes, là, les amis. Bon, après, c'est sûr que ce qu'il faut juste, c'est prévenir un peu tout le monde que ça se fait sur ce réseau-ci et pas sur Twitch. Ça, c'est peut-être plus ça maintenant, la prochaine part à annoncer. Parce que. Ah, pénalité pour Arthur Leclerc pour avoir coupé à la chicane Gilles Villeneuve. Et du coup, Tawek tout honneur qui peut revenir sur lui un petit peu. Bon, Stark le suit. Donc, on rentre déjà dans le tour numéro 12 pour ces pilotes-ci. Tedex toujours en troisième position, c'est toujours Rafa deuxième et Mangator toujours leader pour l'instant. Quatrième position pour Ikritz. Arthur Leclerc de son côté est 5ème, tout honneur 6ème, Wallstar 7ème, attention ici au passage, c'est bon, ça va bien. Et 8ème position pour Lulu qui est un petit peu plus loin et qui visiblement bah là connaît une course très difficile, malheureusement pour lui. Putain. Oh là, attention là, Arthur Leclerc qui semble s'agripper. Bah écoute, sinon comment j'ai coupé, il n'y a pas de pénalité. On va revoir l'action pour Wall. Alors, comment il a coupé, qu'il nous dit. Ah oui. Et pas de pénalité là, effectivement. Je pense que la notion de pénalité est à revoir hein, du côté de Project Cars aussi, là, sans déconner. Fait un peu peur hein, là. J'avoue. Mais le retour de force, il est horrible à gérer. Je sais pas quand la voiture elle part de l'arrière. Oh Mangator, Rafa, ça se rapproche. Oh, il y a même plus une seconde là entre les deux.
enfin si, environ une seconde, allez. Regardez, il est en ligne de venir là. Vous voyez le point rouge, le phare rouge, c'est Mangator. Et là vous êtes avec Rafa. Oh. Et Rafa là. Il m'impressionne. Ouais. Franchement. Dans le noir absolu. Ouais. Ah, Dedex 3ème, il a une pénalité. Crit c'est toujours 4ème. Attention ici Arthur Leclerc et ses côtés Wallstark, attention. Et tout honneur qui est retombé à la 7ème place, il a dû partir en tête à queue malheureusement. Voilà, et en plus, attention là, Arthur Leclerc, c'est bon. Wallstark passe à l'intérieur. Oh non, il est juste à côté. Regardez ça, regardez, il ne voit rien. Il ne voit rien, Rafa. Comment c'est possible? Du coup, il est un peu perdu d'écart sur la ligne droite, mais à chaque fois, je pense qu'il perd, c'est dans la partie ici en forêt. Il lui fait vraiment noir, pour le coup. Bah vas-y, moi, j'arrête là, les gars. On va casser les couilles, cette voiture. Hein? Voiture, là, ouais. Ouais, c'est Wallstark, abandon de Wallstark. Attendez. Sur le projet de carrosse passé. Retrouver du setup parce que ça m'a saoulé. Je mets encore une fois une roue sur l'herbe, je contrebraque de l'autre côté, elle décroche d'un seul coup et forcément, vu que t'as contrebraqué, elle tape le mur. Bon, et bah du coup, on officialise l'abandon de Wallstark donc. Abandon dans cette dernière manche des PSF Racing by Renault. Aïe aïe aïe, quel dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage de ne pas pouvoir aller au bout pour Wall. Mais bon, on le retrouvera, je l'espère, dans un autre championnat qu'on suivra sur PlayStation 4, toujours en sa compagnie. Parce que bien évidemment, on va pas le lâcher. Retour de force, mon gars. Impossible. On va faire un contre-la-montre et je vais pas passer le coup. Oh putain! Hop là, attention! Alors, ici, donc on a toujours le même classe. Hop là, écrit, c'est qui s'est loupé à la sortie de la chicane. Aïe 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 aïe. Tu t'en as combien, Rafa, sur Spa? Ouais, elle a fait. Bon quoi? 15ème tour pour le leader Mangator. Toujours en tête. Et Rafa qui le suit pas loin. À peu près une seconde d'écart entre les deux. Dedex en troisième position, mais qui est complètement de l'autre côté du tracé, donc bon ben pour aller chercher la victoire, ça va être très compliqué. Ikritz, quatrième position, un peu isolé. Arthur Leclerc et Toutouneur, l'un derrière l'autre. Arthur Leclerc, il coupe là, quand même. Voilà, Toutouneur là, il doit un petit peu jongler là pour essayer de trouver sa place. C'est juste, juste. Attention, il fait l'inférieur, oui. Non, 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 c'est... il recroise. Ah oui. Oh là, le retour. Faux, ouais, ouais. Par contre, le retour de force toujours de Arthur Leclerc qui joue des tours, là, c'est pour tout honneur, ça va pas être simple à gérer. Quand même. Ça va, ça passe. C'est franchement juste, hein, entre les deux, là. Lui, 7ème. Oh, Rafa en tête! What? Rafa en tête, Mangator deuxième! Oh punaise, qu'est-ce qui s'est passé là? On a loupé une action là! Ah merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mangator est passé en deuxième position? Bon, c'est trop tard de toute façon, hein, le titre de champion est déjà attribué, mais. Et combien ton chrono, Oh là! Alors là, franchement, c'est étonnant. Assez étonnant, hein, ouais. Oh! Comment c'était moche! Oh! Tiens, elle est finie la course! Bientôt! Non! Terminé. Alors là, là j'avoue que ça m'échappe. C'est pas le combo. Non, faut pas dire ça non plus, le Racing, voyons. Bon ben Rafa en tête, les amis.
je vous l'annonce, à moins de 7 minutes de l'arrivée, dans ce 16ème tour, il est passé en tête. Oh, Mangator, il s'est encore loupé. Et oui, donc visiblement, Mangator, il est pas des plus à l'aise, visiblement, avec cet RS 01 sur ce tracé de Zolder. Et du coup, Rafa qui s'échappe véritablement. Hop là, Dedex 3ème. Ici, 4ème écrit, 5ème. Tout une heure. La McLaren long tail, qui est passé. Arthur Leclerc, 6ème position pour lui pour l'instant. Il continue malgré ses problèmes de retour de force. Voilà, Lulu qui s'est un peu loupé. Qui du coup laisse passer Rafa. Qui rentre dans le 17ème tour. Donc Lulu est le seul pilote pour l'instant à un tour de retard. DLC, je l'ai que sur PC. Oh là, Arthur Leclerc, l'intérieur ici sur tout une heure, ça passe. 5ème position pour lui. Par contre, comment il se décale à la ligne droite, ça doit être son retour de force qui doit lui obliger à faire ça. Hop là. Ça chevauche un peu la chicane là. C'est un peu ça, LG Racing. Rafa qui se construit un mur en béton avec sa trouelle. Avec sa trouelle pour se protéger du danger Mangator. GG, je dois me protéger. Pour l'instant, il se protège bien, en tout cas, hein, malgré qu'il roule sans phare avant, quand même. Regardez, je vais vous mettre un petit peu la caméra. Regardez, là, vous voyez ce que voit exactement Rafa. Ouais. Tout ce qu'il voit. Regardez dans cette portion. Voilà, là, il voit strictement rien. C'est pas vous, mais moi, ça m'impressionne, hein, quand même. Ouais. Franchement, bravo Rafa, hein, parce que là, on pourra lui dire à l'arrivée de la course s'il s'impose. Il a pratiquement une ligne droite d'avance sur Mangator, hein, donc je pense que le leadership semble être promis Rafa dans cette dernière manche de PSF Racing by Renault. Il est en tête, Mangator est en deuxième. Oh non! Tedex est en troisième. 4ème Ikritz. Oh là, Arthur Leclerc qui est repassé 6ème. On va rester un peu sur les deux hommes là, parce que c'est là que ça s'échange le plus la place. Entre Tout Honneur et Arthur Leclerc. C'est chaud, hein, là aussi. Voilà, faut que je me jette, sinon c'est fini pour possible moi. Possible aussi, LG Racing. Mmh. Enfin, un bug en vue spectateur, je pense pas quand même. Enfin, ça me paraîtrait quand même étrange. Oh là, ouh, Arthur Leclerc, l'intérieur un peu forcé là. C'est quand même juste, hein, par rapport à Tout Honneur là, j'avoue. Ça me paraît limite. Sinon après pour le reste, ça sert à rien d'aller regarder ailleurs. Parce que là la bagarre qui reste c'est entre Tout Honneur et Antoine. Hop. Voilà, t'es juste là, hein. Par contre là ça a failli partir. Oh, à la sortie du premier virage. Ah, GT, il y a peut-être des chances, c'est quoi TTM? Mercedes. Sans doute, hein, ouais, c'est Mercedes. L'avant-dernier tour, hein, pour Rafa le leader. Avec une DTM, mais DTM t'as aussi la BM M3. Ou est-ce que c'est la DTM Mercedes? Salut Julien. Oh, attention. Ici, un chicane J-Villeneuve et c'est repassé. Enfin, oh, ça passe. Tout Honneur. Tu disais, Alexis? Non, je dis, belle manœuvre. Ouais, ça s'échange les places régulièrement, en tout cas, hein, la cinquième place qui se dispute là, entre Tout Honneur et et Arthur Leclerc. Oh, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ici, peut-être encore une tentative, non, il va rester raisonnable. Eh, par contre, c'est Tout Honneur qui se loupe. Ouais. Et pénalité. Aïe.
Et là, ça va peut-être sonner le glas pour toute une heure du coup. Chance que j'ai, hein. Mon truc, il appuie sur sur CPS là. Ouais, il appuie sur PS, du coup, je dois revenir dans le jeu et tout ça. Sérieux, en, en pleine bagarre avec tout le monde. Voilà, ça va parce que j'ai redoublé. Ah, et problème de touche PS visiblement pour Arthur Leclerc. Donc c'est-à-dire qu'il était revenu dans le dashboard de la console carrément. Moi aussi, il a fait sur le bouton PS. Ce qui est pas des choses la plus la chose des plus pratiques dirons-nous comme ça. Et chez vous, t'as vu? Non mais c'est dur. Du coup, en tout cas, c'est chaud. Rafa qui est impressionné. Ouais, il est franchement impressionnant. On est dans la dernière minute et je pense que là, c'est le dernier tour. Oh, oh. Oh là, qui était, qui est à l'origine de ce reset là? Ouais. Ah, Mangator qui dit c'est triste, j'ai appuyé sur share sans faire exprès. Mais oui, mais il fallait pas le faire. Et du coup, c'est Rafa, alors il est... alors il y a un décalage hein, dans mon chronomètre, j'ai environ 10 secondes de décalage. Donc normalement ça devrait être le dernier tour à moins qu'il ne franchisse la ligne. Rafa tu tournes à 1,55. Non, il y a encore un tour. Et voilà, celui-ci sera le dernier. Pour Rafa, Mangator va finir en deuxième position. Alors, on va voir qui c'est qui a franchi la ligne d'arrivée. Toutouneur a franchi la ligne, il terminera sixième. Oh là, Lulu, qu'est-ce qu'il fait, Lulu? Il va finir en marche arrière. Ok, d'accord. Bon, bah pourquoi pas, hein, après tout, c'est. Pourquoi pas? Il se fait pousser par Mangator, voilà. Mangator qui finit deuxième, Lulu septième donc. Sixième position pour Toutouneur. Arthur Leclerc va finir cinquième. Quatrième position, ça va être pour Ikritz. Troisième Dedex. Deuxième Mangator. T'as eu chaud, Rafa. Donc, on récapitule le classement. Donc, en septième position, c'est Lulu. Il vient de franchir la ligne. Toutouneur a franchi la ligne, il est sixième. Cinquième position pour Arthur Leclerc. Ikritz, il va finir. Il va finir. Voilà. Quatrième. T'as pas vu, troisième position pour Dedex. Deuxième position pour Mangator. Et donc, le vainqueur, le voici. Il arrive dans les derniers virages de ce tracé de Zolder. Pour cette fin de saison, il va finir vice-champion puisque le champion, c'est Mangator. On le sait depuis la course de Megan V6. Et il va être vice-champion. C'est Rafa qui s'impose dans cette finale. Voilà, c'est fait. Victoire de Rafa. Chapeau. Ah, mais Mangator, il arrive, il est chaud. Bon. Ah ben, on va faire un peu le tour des... protagonistes de cette dernière course de la saison de PSF Racing by Renault avec un vainqueur qu'on ne pensait pas. Honnêtement, on pensait qu'on était encore parti pour un show Mangator et finalement, ben non, c'est Rafa qui est sorti vainqueur de cette dernière manche. Ben, Rafa, oh, t'as gagné, bravo. Ouais. Et sans, et attention, je veux quand même mettre une mention spéciale. Il a gagné sans avoir de phare avant. Ah. Parce que moi, mais je... Tu les avais, toi? Non, il en avait plus qu'un. Parce que moi sur mon affichage, t'avais plus de phare du tout. C'est un bug d'affichage parce que. Ah bon, bon bah écoute. On voulait te mettre plus de mérite et ben voilà, c'est raté. Bon ben. Mais bravo quand même, Rafa, pour cette victoire quand même. Merci, ouais. C'est un peu tôt. Pardon ? Ouais, c'était une bonne course. Deux à la première course et puis un à la deuxième. Déçu quand même de mon erreur en tout début de course là parce que j'ai vu qu'avec Mangator là quand j'ai à un moment donné je revenais sur lui, le rythme il était régulier, puis j'ai vu que pendant 2, 3, 4 tours il faisait un peu des erreurs. Je reprenais 1-2 secondes, je me suis dit bon allez là je pousse un peu.
puis bah, au final il a fait une erreur, puis il l'est passé, puis voilà. Mais en tout cas, le résultat, il est là, c'est que tu es vainqueur. Mangator a fini deuxième. Oui. Certes, il finit champion des PSF Racing by Renault, et toi, tu finis du coup vice-champion quand même de ce mini-championnat de 9 courses donc qui nous a emmené depuis la manche d'Imola en 3.5 jusqu'à cette manche de RS01 à Zolder. Alors, on va ensuite poursuivre. Dedex, troisième position, si je me souviens bien, oui, c'est ça, troisième position. Oui. Belle performance aussi, et pas une course pas facile. Oui, oui. Non, pas du tout. Beaucoup d'erreurs et tout, mais après, je pense que cette place, elle y est dédiée parce qu'il y a beaucoup qui sont pas là, tu vois. Ah, et ouais. Je pense que j'aurais pas été froid avec tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. J'avoue, oui. C'était. Je pense qu'il y avait. S'il y avait. Je pense que s'il y avait Fab, et ben. Ben, Mad Good et tout ça, hein. Ah, bien sûr. S'il faut, j'aurais pas fait froid. Ouais, mais ça bon, été... content. Bah, ouais. De quoi bien finir et envisager le meilleur pour l'avenir et pour la suite, bien évidemment, parce que c'est la PSF Racing côté PlayStation 4, ça va continuer, hein, bien évidemment. Pour l'instant, on va dire qu'on est un peu dans la réflexion pour l'avenir, mais vous inquiétez pas que cette équipe et ces championnats sur PlayStation 4, on continuera à en diffuser. On va poursuivre par la quatrième position qui était pour... pour Icris. Quatrième ? Bah oui. Je suis très content de ma course. Merci, je suis très content de ma course parce que j'ai pris un super départ. Je crois que j'ai gagné 3 places rien qu'au départ. Et après, avec les erreurs j'ai réussi à garder ma quatrième place. J'ai fait qu'une seule grosse erreur, je crois, pendant la course. Mais je suis content, je suis vraiment content. Ah bah écoute, si tout le monde est content, moi c'est encore plus, c'est encore magnifique, c'est encore plus beau, du coup, à ce niveau-là, bah oui. Bon, on continue ce classement avec un homme qui a visiblement, je pense, pris énormément de muscles durant cette course, c'est Arthur Leclerc, qui, son volant, a eu beaucoup de soucis, donc tu peux nous raconter un peu cette course, Arthur. Ben, en fait, c'est au milieu de la course, mon volant a complètement déconné. J'étais en plein virage et tout d'un coup il perdait complètement son retour de force. Et après ça m'a fait de plus en plus et là ben j'ai plus rien, j'ai plus de retour de force, j'ai plus rien donc je le jetais à la poubelle. Aïe, ça c'est dramatique ça malheureusement quand un volant vient vous causer des ennuis comme ça, quand c'est le matériel qui prime ainsi sur le pilotage malheureusement là c'est... J'avoue, c'est ce qu'il y a de pire, on va dire, dans ce genre de choses. J'ai fait la course avec, je me suis battu avec. Avec toute une heure. T'as été au bout. Je me suis battu avec lui alors que j'avais pas les. Le volant au point. Effectivement. Donc voilà. Très impressions après course, on poursuit, on va terminer hein, pour cette assemblée d'après course, pour ceux qui ont terminé en tout cas avec Lucas, hein. Ton avis Lucas? Ah parce que j'ai fait une course moi? Sérieux? Bah apparemment, bon c'est une course, ça a été quand même difficile. Moi, j'ai cru qu'on était dans les célibres, moi, fallait me le dire les gars. Hein. Sinon, franchement déjà ouais je tenais, là c'est... De toute façon, ça se voyait, je tenais pas le rythme. Et en plus de ça, bah, j'ai vraiment pas eu de chance. Il y a toute une heure qui essaie de me faire l'intérieur, je le vois pas. Après, je sais pas à qui revient la faute, et de toute façon, c'est pas ça qui m'importe. Mm-hmm. Du coup, ça me met dernier. Après, encore lui. Il se rate juste devant moi, je peux pas l'esquiver, j'ai un petit dégât de direction. Mm-hmm. Et puis. Troisième virage, je crois, je sors trop large. Sauf que Wolf Stark, 3 ou 4 secondes avant, faisait la même erreur que moi, donc du coup, je le touche. Il y a encore plus de dégâts de direction. Mm-hmm. Je décide de ne pas rentrer au stand et de finir. Juste pour. Histoire de gagner quelques points, mais bon. Le replay, cette course, je mettrai mon jet, mais je me barre. Hein. Rien à garder cette course. Pour moi.
Ouais, malheureusement, c'est vrai que t'as un peu, ça a été un vrai chemin de croix, je pense. Ah non, même pas un peu, hein. Là c'était une course galère, hein, c'est tout. Ah bah oui, oui, oui. Bah, écoute, c'est... Bon voilà, t'inquiète pas, demain il y a une place au show en cabine commentateur qui t'attend. Là, ouais, c'est que... mieux là, là t'es sûr d'être premier. Ouais, ben là, il n'y a pas de souci, on le retrouvera demain pour les DTM One Series, bien évidemment, qui seront aussi en HD 60 sur YouTube Gaming demain sur Mavic TV, bien évidemment, dès 20h45 à Auchersleben, hein, c'est la prochaine destination. Ben, en attendant, on a terminé, je pense, pour ce tour d'horizon des pilotes qui ont terminé. Sinon, bah, on va conclure plus globalement sur ce championnat PSF Racing by Renault, quand même, hein, avoir un mot de conclusion finale de ce championnat pour avoir vos avis, messieurs. On va commencer par bah, par Rafa aussi. Hein, on va commencer ton avis sur ce championnat cette saison. Difficile et bien, enfin il y a eu des hauts et des bas quoi. Il y a eu une malchance qui m'a pris un petit peu au mauvais moment là, vu qu'on arrête le championnat maintenant, mais c'est dommage qu'on arrête le championnat maintenant parce que le niveau il est là. Après c'est de... c'est juste qu'il y a trop de bugs quoi, c'est... c'est un peu abusé là-dessus. Sinon de toute façon, on avait lancé déjà quelques idées pour continuer un championnat, pas s'arrêter là comme ça, d'un coup, paf. Mm-hmm. Donc il y a des idées qui continuent à sortir, et puis si on trouve quelque chose de bientôt, bah, de toute façon, on tient au courant. Oui, bah ouais, bien évidemment, hein, puisque on rappelle que j'ai tenu engagement de suivre toutes les courses hein, des PSF Racing by Renault. Ça a été chose faite. Je continue de suivre la PSF, bien évidemment, même dans les autres championnats qui sont proposés sur Project Cars PlayStation 4, puisque ben, on a la chance sur la chaîne d'avoir le choix des plateformes, hein, entre la Xbox, la PlayStation et même le PC, même si pour l'instant le PC est mis à l'écart parce que au niveau pratique de diffusion, c'est très compliqué, même limite un enfer pour moi, donc du coup, on privilégie les consoles, mais... De toute façon, on tient cet engagement. Bonjour TV reste la chaîne, le diffuseur officiel des PSF Racing, enfin de la team PSF Racing, quel que soit le championnat qui est organisé. Donc ça, à ce niveau-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. On continue. Et bonsoir tout le monde, comment ça va? Ben voilà, on va voir l'ami Fab qui nous revient là de sa soirée. La Fabulous. Oui. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bien et toi? Alors, dur, on dirait, non? Cette course. Non. Putain. Là, j'ai vu que Wallstark n'était plus dans le classement, ouais, j'ai vu qu'Adou n'était plus là. Et lui, il a ah, ça m'a saoulé, ça y est, moi le... Qu'est-ce qui t'a saoulé, dis-nous, explique-moi. Moi, ça m'a saoulé. C'est la trophée m'a saoulé déjà de fou. Ouais. Ça s'est privé là, les insultes. La RS01, j'ai fait un bon chrono en qualif. Avec ouais. 2 dixièmes de Mogato, on a commencé la course, ça y est, la merde elle a commencé. D'accord. Il suffit que tu mettes une roue sur l'herbe que ça y est, elle est absorbée. Donc je contre-braquais de l'autre côté, tu vois. Vu qu'elle se sentait absorbée de l'autre côté. Mmh. Et d'un seul coup, elle a décidé de décrocher. Et forcément, j'avais le volant de l'autre côté, je me suis tapé le mur. Je lui dis, bah, tu sais quoi, toi et toute ta famille, vous allez niquer votre mère. Est-ce que tu l'as insulté de sa grand-mère qu'elle a sucé des ch'trons jusqu'à la fin de ses jours? Non, franchement, j'ai voulu, mais c'était trop long. J'ai voulu faire quoi? Putain. Il a fait bah, court et bref. Après, bien joué, Rafa. Putain, Rafa, ouais, putain. Ça fait plaisir. Au revoir. Ouais, bon, moi j'avais la famille. J'ai pas pu jouer. Ah, pas de problème, pas de problème. La famille avant tout, c'est normal. Désolé, mais bon. T'inquiète. Ouais, mais je vous ai suivi tout le long du repas. Je vous ai suivi, j'avais les PC à côté. Il était branché sur. Il était branché en HD 60. Il a eu un bon réflexe technologique dès le début. Je les connais, mais ouais, c'était pas mal. Ouais. Mais pas beaucoup de monde ce soir quand même, hein? Que 8 pilotes. Ouais, bah oui, c'est vrai que ça a manqué de monde au niveau des pilotes. Beaucoup d'absents. Ouais, donc du coup, ça a peut-être aussi potentiellement fait que l'audience était moins forte hein, sur le live Benji TV en HD 60 sur YouTube. C'est peut-être ça aussi qui s'est un petit peu éloigné. Bon, on va améliorer de toute façon.
Mais la qualité, elle était là, ça a visiblement bien fonctionné, ça je suis content, parce que c'était un peu un pari osé de passer la HD 60 images secondes. On a osé, on l'a fait, ça a fonctionné pour cette finale de championnat. Donc on a eu ici une victoire, donc on rappelle, hein, pour l'ordre de la soirée, de Mangator en Megan V6 et de Rafa en RS01 Trophy. Donc Mangator champion, bien évidemment, des PSF Racing Maïro. Nous, on le félicite comme tu vois, bien évidemment. Voilà, ça c'est la jalousie qui parle. Rafa a fini vice-champion, donc deuxième, à la troisième place. Salut, ça va et toi? Putain, t'as un cul des vice-champions. Rafa prend une crachée dans un mur, ça va te détendre. Bon, ensuite, on a... Malchanceux pour finir deux fois de suite vice-champion. Et on va poursuivre un peu ce tour par, j'allais dire Mr. President. Presque ça, hein. Fab, ton avis sur cette saison? Un peu chaotique, ça serait le mot, non? Chaotique, sérieux, avec voilà, tous les problèmes qu'on a eu chaque week-end. Franchement, je crois que qu'on a fait 9 manches. 9 courses. Sur 9 manches, je pense que 7 manches sur 9, à chaque fin de soirée, on se dit. Le jeu, je veux plus y jouer, j'en ai marre, nanani. Moi le premier, hein, avec tous les bugs qu'on a pu avoir tous les week-ends, j'en avais plein le cul, quoi, pour être poli, tous les soirs, tous les week-ends, c'est pareil. Alors que la semaine, on y joue, tout se passe bien, à chaque fois, les vendredis, ça se passait mal. Mais après, quand ça se passait bien, comme à Sakito, tout ça, on se régalait. Ce soir, il y en a qui se sont pas régalés, je pense. Je pense à Wallstar et à Edwood. Très très loin. Moi j'ai quitté, je suis en CLE, mais je partage une fixation de CLE. Mais franchement, après, dans tout l'ensemble, je suis vraiment content parce qu'on est quand même resté entre 12 et 15 pilotes. À chaque fois, ça me donne envie d'en recréer un. Et on va en recréer un. Et puis quand vous aurez clôturé vos lives, tant qu'on est tous là, je pense qu'on va en discuter pour la catégorie. Et ça va s'enclencher dessus. Je crois que je vais lancer le truc là. Alors après, j'ai plein d'idées dans ma tête. Hein. L'MP2, c'était pas mal, je trouve, l'événement. L'MP2, je trouve que c'était sympathique. Mais après, avec, comme disait Wally, il va falloir, je pense, rouvrir les réglages. Tant pis s'il y aura beaucoup de différences. Pour éviter les bugs des stands, tout ça, et pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie quand on rentre au niveau des stands. Et enfin, après, au niveau de catégorie, je sais pas. Franchement, j'hésite entre l'MP2, du GT3, parce qu'il y en a beaucoup qui le redemandent de revenir sur du GT3. Après, savoir avec tous ensemble, on en parlera après. Bien évidemment, ce sera les back-office, on va dire comme ça, les coulisses un petit peu. Ça, bien évidemment, on doit avoir une certaine après, part. Après, moi, je suis ému, quoi. D'avoir eu Wallstar dans le championnat, hein, putain, je suis ému, quoi. Ça fait plaisir, les gars. Franchement, je vous kiffe à tous, sérieux. C'est trop bien d'être avec vous tous les soirs depuis que je vous connais. C'est vraiment le top, quoi. Moi, je me régale. Pas de mot d'amour, je suis encore en live. Hein. Ouais, je sais, Wally, t'inquiète. Non, mais... On se parlera après en privé, t'inquiète pas. Ouais. Ah, oui, calme-toi, Ikrit. Sois pas jaloux, Ikrit. Il est mineur, il faut en même temps, donc ça peut s'expliquer. Enfin, on va quand même continuer. Je vais pas chercher du charbon, moi. Il y a 9 ans. Dans cette... Mineur, non. T'as compris, mineur, charbon. Allez, on en discute. Passe. Ce sera en privé, ça, LG Racing. Ce sera en privé, cette discussion. Vous serez tenu de toute façon informé via les pages Facebook et sur Twitter, bien évidemment. Dès lors qu'on aura l'information officielle de la catégorie et dès lors que, bien évidemment, j'aurai obtenu les droits de diffusion, hein, bien évidemment. Hein, enfin, il n'y a pas à négocier, donc ça va. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça se fait tout seul. Vous serez tenu au courant. Ah bon? Je rigole. Le gars il me fait peur pendant deux heures. Bon, allez, on va continuer. Enfin, on va. Je sais pas, moi qui ai encore quelqu'un qui souhaite s'exprimer sur cette saison. Salut, 1, Gordon. Ce premier championnat de PSF Racing by Renault. Qui était championnat encore déco. Voilà. Qui sera le déco? Comment il est? Attends. Donc voilà. Donc, je pense qu'on peut du coup conclure, hein, ainsi cette. Cette saison, du coup, donc avec, on le rappelle, le titre pour Mangator,
Rafa vice-champion, mais ce soir, Mangator vainqueur en Mégane et Rafa vainqueur en RS01.